Il était une fois, au musée de la chasse, une famille un peu particulière. Bon, j'ai une annonce à vous faire. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un. Wouah ! Encore un blaireau comme la dernière fois ! Thierry ! Même si le dernier que tu as ramené était un petit... Mais n'importe quoi, les vieux ! Capucine, merde, ton langage ! Et super, vous avez réveillé la folle ! Bon, chérie, raconte-nous. Voilà, on a matché sur Internet, et depuis, on ne se quitte plus. Quoi ? Mais ça fait combien de temps ? 3 jours. Mais je sais que c'est l'homme de ma vie. Il m'a déjà demandé en mariage et j'ai dit oui ! Enfin, maman ! Bon, vous allez le rencontrer, puisqu'il est déjà là. Bonjour à tous ! Enchanté de vous connaître. Mais c'est quoi ce grand galet? Excuse-nous pour cet accueil, c'est juste qu'on ne s'attendait pas à... À rencontrer le fiancé de notre petite Capucine. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Zansa. Mais elle arrive même pas à parler avec sa vieille corne sur la tête. Tonton, arrête. Jean-Charles est très gentil et puis je l'aime. Ma corne, elle est pas fausse. C'est seulement dû à une malformation. Oh, excuse-nous. Monsieur Elephant-Man. Ma corne, c'est une vraie, c'est une malformation, ok? Et c'est ainsi que le coq bizarre rejoignit la grande famille du musée de la chasse.